Voilà, je suis censée lire des extraits des petites reines. C'est très bien parce que je suis malade, donc je tousse, j'éternue, j'ai le nez qui coule, j'ai ma bouillotte, et donc je vais avoir une voix de canard quand je vais lire ces extraits. Il faudra s'y faire. Donc voici le premier extrait qui est le tout début du livre. Ça y est, les résultats sont tombés sur Facebook. Je suis boudin de bronze. Perplexité. Après 2 ans à être élu boudin d'or, moi qui me croyais indéboulonnable, j'avais tort. J'ai regardé qui a remporté le titre suprême. C'est une nouvelle en seconde B. Je ne la connais pas. Elle s'appelle Astrid Blomval. Elle a des cheveux blonds, beaucoup de boutons. Elle louche tellement qu'une seule moitié de sa pupille gauche est visible. Le reste se cache en permanence dans sa paupière. Je comprends tout à fait le choix du jury. Le boudin d'argent a été décerné à une petite de cinquième, Akima Idriss. C'est vrai qu'elle est bien laide aussi avec sa moustache noire et son triple menton. On dirait un brochet. Notre cher ami Malo a posté des commentaires sous les photos des 18 filles en lice. Il m'a rendu hommage. La compétition a été rude, mais Mireille Laplanche, quoi qu'il arrive, reste pour moi la reine absolue des boudins. Ses grosses fesses gélatineuses, ses seins qui tombent, son menton en forme de patate et ses petits yeux de cochon resteront gravés dans nos mémoires pour l'éternité. Il y avait déjà plein de j'aime, 78. J'ai ajouté le mien, 79.